Donc là, normalement, on est en live, mais je vais juste m'assurer parce que des fois, on se fait jouer des tours. C'est bon. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est le retour des entrevues, hein? On a pris une pause avec Noël, tout ça. Donc, la semaine passée, vous avez fait un live toute seule, mais là, bon, téléphone qui sonne. Fait que là, on recommence les entrevues. Puis, j'avais vraiment envie d'inviter Charlène à discuter avec moi parce que je voulais, ben, elle va vous expliquer dans le fond son projet, son parcours et tout ça. J'avais envie qu'on parle de communauté parce que, ben, je pense qu'on se pose beaucoup de questions quand on commence aussi à savoir, OK, comme, c'est bien beau dire, je vais me bâtir une communauté, mais par où je commence, comment je fais ça? Donc, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Donc, ben, je te dirais, commence par te présenter, t'es qui, ton projet, c'est quoi un peu ton parcours d'entrepreneur aussi, parce qu'on aime bien ça, savoir ça. J'aimais ça, la sonnerie, honnêtement, c'est comme l'appel du retour 2021. Bon, reviens-vous des vacances, on relance, sentez-vous l'appel de vous lancer en entreprise, puis de, ça se pourrait que 2021 soit ça, votre année? Est-ce que vous sentez que ça vous appelle en ce moment, puis vous êtes prête à vraiment vous dévoiler, puis à prendre votre hobby d'entreprise et le voir grand et le faire grandir avec vous, sachant qu'il y a tellement de gens qui vont pouvoir en bénéficier. Moi, je trouve que l'appel, ça sonnait comme ça. J'adore ça. On arrive avec l'appel. Alors oui, ben j'ai ressenti l'appel, moi, de lancer mon entreprise à la fin de mon bac, dont j'ai un bac en kinésiologie, qui est la science de la santé par l'activité physique, les saines habitudes de vie. Et je le savais déjà que j'allais faire quelque chose de différent. Je savais pas nécessairement quoi, mais je savais que j'allais faire quelque chose de différent. Et quand j'ai eu l'intuition, quand j'ai sorti de mon bac, d'ouvrir une page Facebook, oui, et d'ouvrir un groupe Facebook en même temps, puis je me suis dit, j'ai toujours eu des amis autour de moi qu'on aime ça, des passions communes, on aime ça échanger, puis j'aidais beaucoup des personnes en individuel, puis ça, tu en parles beaucoup dans tes podcasts de, tu sais, les gens viennent te voir pourquoi, mais je me suis dit, tant qu'à, je me rendais compte, je donnais une réponse à quelqu'un, puis après, fallait que je la répète à l'autre, je me suis dit, mais tant qu'à ça, je vais ouvrir un groupe avec mes amis, puis j'avais quand même l'ambition de voir grand. Je savais que ça allait, les amis allaient inviter d'autres amis. Enfin, je m'adressais pas juste à mes amis, je voyais vraiment toutes les femmes que moi j'appelle mes amies, avec un A chapeau, parce qu'on parle vraiment cœur à cœur, homme à homme. Et j'ai commencé comme ça, simplement en parlant à mes amis à moi, et en leur partageant en fait des réponses aux questions générales qui, en fait, je me suis réalisée qu'ils répondaient à plein de monde. Et aussi simple que ça, j'ai ouvert un groupe Facebook. C'est sûr qu'au début, j'ai ajouté mes amis à moi, mais je voulais que ça parte un mouvement parce que j'ai pas appelé mon entreprise Mouvement Épanouissement juste pour qu'on soit quatre. Je voulais vraiment voir un mouvement où ce qu'il y a plein de femmes qui prennent soin d'elles. Alors j'ai personnellement, ça c'est bon à savoir, à la main, été ajoutée, je pense pour 1 000 personnes, invitée individuellement avec message vocal. C'est pas juste comme je t'invite à mon... Non, non. Vraiment, personnellement, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un message vocal, j'ai dit, écoute, je lance quelque chose. Pour moi, c'est un moment, c'est un oasis dans lequel les femmes peuvent se déposer, se recueillir entre reines dans un beau royaume en sécurité dans lequel je vais partager du contenu que j'ose vraiment croire qu'il peut t'apporter. Si tu veux faire partie du royaume, ben, la porte est la bienvenue, viens, c'est gratuit. Et on est monté vraiment de 0 à 300 personnes dans les premières semaines grâce à mes appels et aussi à lancer l'invitation aux autres d'ajouter les gens qui pourrait gagner à découvrir ben, ce royaume-là que j'avais créé. Enfin, dans le fond, ce que je retiens, c'est une chose que je parle beaucoup justement, c'est, tu sais, on a l'impression quand on regarde des entrepreneurs, on va dire à succès, que ah, ça s'est fait tout seul par magie, mais c'est vraiment d'aller chercher les personnes. Tu sais, il faut vous gagner la confiance des gens une à une. C'est vraiment ça, puis c'est un peu la preuve qu'est-ce que tu dis. Mais qu'est-ce qui te. Parce que là, bon, la kinésiologie et tout ça, mais. Tu sais, c'était quoi ton moteur derrière de dire je vais partir un mouvement là? Tu sais, qu'est-ce qui t'animait là-dedans, puis qu'est-ce que tu avais envie vraiment de. Mais c'est un bon point. Moi, ça part d'une insatisfaction. Puis OK. souvent, on a l'impression que c'est pas beau être insatisfaite, que c'est comme... Même moi, je pensais que j'étais princesse, là. Tu sais, il y a tout le monde... En plus, j'ai choisi un bac selon mes valeurs, là. Tu sais, j'ai même pas choisi selon le salaire parce que clairement, c'est du bénévolat. Mais je me suis dit, OK, je vais y aller selon mes valeurs. Je vais danser, je vais enseigner le yoga, je vais accompagner les gens dans leur bien-être. J'ai comme, mon Dieu, c'est bien beau tout ça, là. Puis finalement, je commence à le faire, puis je me rends compte que le contenant, c'est pas le contenu le problème, c'est le contenant fonctionnait pas avec moi. Et j'étais insatisfaite. Même que, ah, c'est mon tour, ça c'est la déneigeuse qui part. Je vous dis, là, sentez-vous, le wake-up call qui arrive, c'est drôle. Mais je me sentais vraiment insatisfaite, puis j'allais voir mon conjoint, puis je pleurais. J'étais comme, écoute, je suis pas heureuse.
Puis lui était comme, OK, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils font les autres kinésiologues? Tu sais, je suis comme, ils sont pas tous heureux, mais il y en a, oui. Puis le reste, ils continuent quand même, tu sais. Puis je pleurais, puis je me suis dit, je suis tellement pas bien. Mais en même temps, je doutais. Je me disais, est-ce que je suis juste une princesse qui veut pas travailler? C'est tout ça l'affaire. Okay. Est-ce que je suis une génération où est-ce qu'on est tous paresseux? Pourtant, en même temps, j'ai l'impression que je travaille comme j'ai jamais travaillé de ma vie dans mon entreprise. Ouais. Fait que je suis une travaillante, j'ai une dévotion là, envers ce que j'ai créé. Donc, c'est pas que j'étais paresseuse, mais j'en ai presque douté. Je me dis, pourquoi je vais pas travailler comme tout le monde? Est-ce que je suis juste une princesse paresseuse? Mais j'étais insatisfaite, j'étais très malheureuse. J'ai eu la chance quand même d'avoir un conjoint qui était supportant. Puis il me dit, écoute, là, lâche pas ta job, s'il vous plaît. Mais construis de quoi à côté? Et c'est là que j'ai vu, OK, mais si je pouvais construire quelque chose dans lequel j'étais vraiment bien. Donc, j'ai parti de mon insatisfaction et j'ai remonté à, OK, ici, c'était une dualité. Hein, si c'était l'ombre, ce que j'aime pas, ça serait quoi la lumière? Ça serait quoi ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux? Maintenant que je sais ce que je veux pas clairement dans le contexte que j'ai, qu'est-ce que je veux? Ouais. Et là, ça l'a popé. Je dis, OK, moi, je veux créer des retraites, je veux créer un univers dans lequel moi, je serais bien de pouvoir danser, accompagner les gens, mais que même moi, j'en bénéficierais. Je veux un mouvement dans lequel que, ben, nos retraites, ça soit des moments aussi palpitants puis féeriques pour moi. C'est des choses que moi-même, j'achèterais, que moi-même, je consomme déjà. Donc, j'ai comme créé, à partir d'une insatisfaction, l'univers dans lequel que moi, je sentais qu'il n'était pas créé en ce moment. Et finalement, ben, c'est devenu un don magnifique, un oasis pour d'autres belles reines. Mais ça rejoint beaucoup, moi aussi, quand j'ai commencé à accompagner les femmes entrepreneurs, parce que dans le fond, c'était, tu sais, moi, j'ai créé le membership, tout l'espace, puis tout ça, j'ai créé ce que moi, j'aurais voulu avoir, dans le fond, à ma première entreprise, où ce que je me sentais pas supportée, où ce que je me sentais isolée, où ce que je chantais que j'avais pas de réponse à mes questions, puis tout ça, tu sais, fait que c'est souvent ça aussi quand on démarre une entreprise. C'est vraiment comme, puis je trouve intéressant que tu dis, tu sais, j'ai été dans ce que j'aimais vraiment pas. Puis ça m'a permis de trouver ce que j'aime. Puis c'est un exercice souvent que je fais faire aux filles. Commence par, parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. Fait que commence par faire la liste de ce que tu veux pas. Ça va te permettre de voir, ben OK, mais peut-être que je veux ça. T'sais. Puis je pense que c'est important aussi. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup d'apporter aux femmes, de justement bâtir une business dans laquelle, tu sais, comme tu dis, qui va te nourrir aussi, puis dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir, puis que tu vas avoir autant de plaisir, finalement, que tes clientes, tu sais. Oui. Puis c'est vrai, en parlant, tu me fais fort un point. Je me suis pas vue comme la responsable du mouvement. Je me suis vraiment vue comme, hey, les filles, c'était très léger. Hey, les filles, je pars quelque chose, ça se peut que ça change 45 fois. Est-ce que vous me suivez? Ils ont dit oui. Donc, je me suis pas mis le carcan, tu sais, d'un plan d'affaires parce que maintenant, j'étais comme, OK, tu sais, je vais vraiment faire comme toutes les étapes. Puis finalement, je me suis emprisonnée dans quelque chose que finalement, j'évoluais tellement vite que je me suis fait une structure, oui, parce que j'en avais besoin. J'ai un cerveau créatif, moi aussi, méchante neurone colorée que je suis. Qu'il a fallu que je me canalise, sinon j'allais me brûler. Puis des fois, je me suis brûlée à travers mon parcours. Donc, de me dire, OK, est-ce que je peux me donner une structure qui va canaliser ma créativité sans l'emprisonner? Et ça a été vraiment une douce danse que je me suis permis vraiment de le dire aux filles, ça. On dirait que j'ai vraiment pas été la directrice en communication de... Non, je suis pas la directrice en communication, je suis pas la fondatrice de Mouvement Épanouissement. Je suis une fille parmi le mouvement qui fait avancer le mouvement toutes les filles ensemble. Donc, ça a été... on dirait que ça a été comme... Ça m'a dédramatisé la situation, ça l'a allégé, puis ça m'a permis, on dirait, d'être encore plus inspirée. Ouais. Mais on a vraiment... on a beaucoup des points communs parce qu'on a vraiment un même style de leadership. Moi, je dis tout le temps, moi, je suis pas sur le stage en avant, je suis assis en indien avec vous autres, tu sais. Fait que c'est comme, quand tu dis ça, moi, c'est exactement ça, tu sais, que je vois. Fait que c'est... Puis ça revient aussi à, tu sais, je profite autant de ce que je crée que mes clientes en profitent, puis je suis là, puis c'est comme vraiment un sisterhood, puis tu sais, c'est vraiment ça, là, tu sais. Ah, quand tu dis, là, je me suis brûlée des fois, là, qu'est-ce qui faisait que tu te brûlais? OK. Ben, moi, j'étais très intuitive. Je suis la cliente parfaite de l'archétype de la cliente qui vient te voir parce qu'il a besoin d'aide, OK? C'est pour ça que je te suis, mon Dieu, puis c'est pour ça que je t'aime. C'est que j'ai commencé à créer du contenu sans aucune stratégie, sans aucune direction, sans aucun produit, sans aucune offre. Et j'étais bonne, là, chaque mercredi pendant 2 ans, là, faire des lives, là.
de 45 minutes, une heure, là, tout le temps, là, avec ma recherche de contenu. Puis c'était pas juste que je partageais mes états d'âme. Là. C'était un atelier dense. Là. Écoute, en 40 minutes, là, je poussais. J'étais comme, tiens, c'est tout ça que je sais, les filles. T'sais. Puis je voulais vraiment offrir un service extraordinaire. Puis les filles adoraient ça. Ils étaient comme, waouh. Puis un moment donné, très honnête avec toi, je les ai senties ingrates. Parce que je me suis dit, hey, elle ne voit pas que, genre, je travaille, moi, à travers une vie, là, mais je me dévoue à elle, puis je me suis dit, je les ai jugées d'être ingrates. Puis à ce moment-là, écoute, c'est sûr, un miroir dans ma face, OK. Si je sens qu'ils me valorisent pas à la hauteur, est-ce que je leur ai donné l'opportunité de le faire? Ouais. Est-ce que là, c'est là que j'ai vu, moi, OK, mais c'est-tu parce que c'est moi que j'ai un blocage? C'est moi, clairement, je leur ai donné aucune porte d'entrée. Après, je chiale qu'ils viennent pas. Et cette fatigue-là, je me souvenais à m'écœurer, là, des consciences coaching que je faisais. Je suis comme, OK, là, écoute, si j'avais pas tant de likes puis tant de commentaires, je me disais que ça vaut même pas la peine que je le fasse parce que j'étais fatiguée, tu sais. Puis c'est là que j'ai vu, OK, la danse que j'ai avec les filles, c'est vraiment comme l'inspiration, l'expiration. Et là, je chantais que je faisais juste expirer. Puis après, je me bouchais les narines, puis j'étais comme, puis je laissais bien rentrer. Puis j'étais comme, ouais, après, je chiale que je m'étouffe. Allô, championne, tu sais. Et là, ça a vraiment fait des clics dans ma tête. J'ai dit, OK, ben, comment je peux faire pour ouvrir ce cycle respiratoire-là? Et là, ben, j'ai créé des offres, j'ai créé des programmes, de l'encadrement. Et écoute, j'avais même pas expliqué c'était quoi que les filles étaient inscrites, tu sais. J'attendais juste que je crée quelque chose pour elles, tu sais. Ouais. Mais souvent aussi, ça, c'est super, un point super intéressant parce que souvent, on réalise pas à quel point. Tu sais, des fois, on est comme « Ah, mais là, je vais lancer quelque chose, mais je ne sais pas si ça va marcher », mais tu ne réalises même pas à quel point tes clientes y attendent après toi. C'est comme, moi, je l'ai vécu souvent, de lancer un nouveau type d'accompagnement, puis ça se remplit tout de suite parce qu'ils attendaient après ça. T'sais. Fait que c'est nous, souvent, qui se bloquons aussi. Tu sais, tu dis aussi, ben tu parles de la constance, tu sais, d'avoir fait à chaque mercredi comme ça un vidéo, tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, comme tu dis, je me suis rendu compte que dans le fond, j'avais rien à leur offrir, là. Mais penses-tu que cette constance-là, ça l'a fait en sorte que quand tu avais quelque chose à offrir, ça l'a comme... Ah, c'est sûr. Mais avoir su, mon Dieu, que je l'aurais fait avant. Il y a eu un moment, là, quand j'ai commencé vraiment à vivre de ça, je me suis dit... Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me sentir honteuse. Je me suis dit, puis pas envers les filles, là, de moi envers moi. J'ai comme la chaleine adulte qui regardait la chaleine enfant, puis la petite a broyé, puis était comme, man, tu m'as fait endurer bien des affaires, là, tu sais. T'aurais tellement pu m'honorer avant. Et de ce regard-là, moi envers moi, je me suis sentie vraiment comme une mauvaise mère. Je me suis dit, oh mon Dieu, Charline, je t'ai tellement poussée, là, comme pour vrai. Et là, j'ai eu de la peine pour moi, puis j'ai même eu plus de culpabilité. Puis là, je me suis dit, Charlène, mon Dieu, doucement, là, t'as pas fait ça pendant 10 ans, t'as 25 ans, laisse-toi une chance, tu sais. Puis là, je me suis vraiment comme, OK, j'ai assoupli ça, j'ai adouci le tout, je me suis pris, puis je me suis dit, ben moi, je suis fière de toi. Fait que j'ai vraiment transformé la honte en apprentissage, puis on me dit, mais quelle constance, Charlène, quand même. Pas tout le monde qui aurait fait ça pendant 2 ans. Écoute, j'étais rendue conscience coaching numéro 174, je sais pas. Écoute, ça avait pas de bon sens. Là. Et je me suis dit, ben OK, oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses que je peux faire différemment, mais hey, on peut te mettre en lumière que tu as une méchante détermination, puis tu as une méchante persévérance. Puis tu sais, j'ai vraiment pris le temps d'aller guérir ça, puis d'être fière de moi, pour après me dire, OK, là, on peut passer à un enseignement qui est honoré. Mais ça, c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué de toi la première fois qu'on s'était parlé, ta détermination. Je dirais que ça vient de où, ça, cette détermination-là? Hey, c'est une bonne question. Depuis que je suis petite, même à l'école, là, comme moi, là, je performais à l'école, puis c'est même pas pour les notes, c'était pour savoir. Moi, je voulais savoir, puis même des fois, mon prof, elle m'avait déjà dit, je me rappelle, en secondaire 5, à Challenge, dans mon album de finissant qui est écrit, là, j'ai jamais vu quelqu'un étudier les chapitres supplémentaires. Puis tu venais me poser des questions, puis je te dis, non, mais Charlène, ça, c'est pas à l'examen. Puis tu disais, ouais, puis elle était comme, mais voyons, c'est quoi cet élève-là, tu sais? Puis elle m'avait demandé sérieusement, est-ce que tes parents te mettent beaucoup de pression, Charlène? Ça voulait savoir si ça venait de où, c'était-tu extérieur à moi? Puis honnêtement, même pas, écoute, ma mère, mon père, tellement pas. Mon père, c'est un artiste, ma mère est hypnothérapeute, c'est comme tellement un autre univers, là. Puis non, vraiment pas. Puis je me suis dit, okay, ça vient de où, ça, cette dévotion? Puis je sens vraiment que ma motivation à moi dans ce qui est fort, c'est que je vois mes dons
et je vois la façon que je peux contribuer, la contribution que je peux faire, et je vois à quel point, moi je vois vraiment ce que je suis en train de construire, c'est comme une maison de paille, de fleurs, vraiment un oasis, et il y a tellement déjà des gens qui sont en dessous puis qui sont bien, puis je me suis dit, OK, c'est ce que moi j'aurais voulu avoir, et j'ai les facultés de le créer, j'ai les relations pour le créer, j'ai la détermination, l'énergie, je le vois pas vraiment comme si ça venait de moi, je le vois comme ça m'a été donné. Et comme chaque don vient la responsabilité, puis moi, je me suis dit, écoute, peu importe qui m'a donné ça, je te promets, je vais t'honorer. Tu vas être flabbergasté parce que la façon que je vais capitaliser sur ce que tu m'as offert, parce que je sais que ça vient pas de moi. C'est comme plus grand que moi. Donc, ouais. Ça m'appartient pas, je peux pas. J'ai même pas le choix d'après moi. C'est quand tu as un talent, s'il te plaît, c'est ton ADN, c'est ton unicité, t'es égocentrique de pas me le donner. S'il te plaît, show up, montre-moi ta lumière, on en a tous besoin. Puis entre sœurs, entre amis, entre nous, s'il vous plaît, que ta lumière me guide puis que ma lumière soit un phare pour une autre. Le ciel est infini d'étoiles, donc s'il te plaît, éteins-toi pas, on a besoin de te voir briller. Fait que c'est comme vraiment, je pense, j'ai répondu à ma question, c'est ma spiritualité, c'est ma conception de l'univers qui fait en sorte que j'ai une fougue aussi grande, oui. OK. Dans le fond, c'est cette motivation-là aussi, j'imagine, qui... Parce que j'enseigne beaucoup, justement, à connecter puis comprendre c'est quoi sa motivation intrinsèque, comme je dis vraiment viscérale dans tes tripes, là, parce que c'est ça qui va faire que quand tu vas avoir des défis dans ton entreprise, ben tu vas persévérer puis tu vas continuer. Tu sais, si tu fais ça juste pour l'argent, si tu fais ça juste pour... parce que tu aimes créer des bracelets, tu sais, je veux dire, la moindre moment qu'il va arriver un défi ou un problème... C'est pas ça qui va te faire avancer. T'sais. Fait que c'est un peu ça là, que je comprends. Qu'est-ce que, en parlant justement de défis, mais justement, qu'est-ce qui fait que tu... Est-ce que c'est cette motivation-là ou il y a autre chose qui fait que tu persévères quand... Parce que j'imagine que tu as eu plusieurs défis. Là, je veux dire, il n'y a personne qui n'en a pas en construisant une entreprise. Là. Oui. Moi, je suis quand même sensible dans la vie. Puis ça m'est souvent arrivé de me coucher, surtout exemple cet été, j'étais dans un chalet, là, vive le confinement, on a eu un break pendant l'été, je me suis poussée dans un chalet avec mon chum et des amis, on s'est couché et je vous le jure, on était tellement loin dans le bois qu'on a pu voir la Voie lactée. J'avais jamais vu ça de ma vie. Okay. Je me suis couchée, j'étais sur mon chum, il y avait le foyer, on venait de bien manger, on a fait du hiking, on s'était baigné dans les chutes, écoute, c'était magique comme moment. J'étais avec des gens que j'aime, j'étais couchée, j'ai vu la Voie lactée. Puis quand que moi, je vois des moments comme ça, là, autant quand c'est le décès de quelqu'un ou la naissance de quelqu'un ou des grands changements dans ma vie ou que je vois la Voie lactée, par exemple, ou l'océan, c'est pareil. Mm-hmm. Quand je vois ça, je me dis « Hey, c'est pas vrai que je suis venue ici pour rien, là. Ouais. » C'est pas vrai. Comme quand que je vois, c'est vraiment ce zoom out-là, ne serait-ce que ma naissance qui est miraculeuse, puis pas parce que j'ai eu des difficultés dans ma naissance, mais on est toutes dans la naissance miraculeuse. Là. Le phénomène des probabilités des spermatozoïdes, moi, c'est magique. Ou même, si on va plus loin au niveau de la vie sur les planètes, sur Terre, c'est juste, c'est fou, là, le fait qu'il y ait de la vie sur Terre. C'est incroyable. Fait que je me dis, non, il y a pas tout ça pour juste ça. C'est pas vrai. Fait que quand il y a des obstacles qui arrivent, quand il y a des difficultés, puis que je suis vraiment dedans, puis que je suis vraiment envahie, là, je prends un break, zoom out, puis je m'en vais me repluguer ailleurs pour reprendre la perspective, pour revoir. OK, ben, je dédramatise, Charline. Tu es en train de faire une crise d'angoisse pour ça, pour vrai. Puis on dirait, après, je ris de moi, puis je suis comme, oh, Charline. On continue, puis là, j'ai une vision d'ensemble, puis après, on repart. Fait que je dirais que c'est ce recul-là, zoom out de perspective, qui revient quand même toucher ma vision de la vie et de l'univers, là. Il y a beaucoup cette notion de s'honorer, honorer la vie dans cette vie. J'aime beaucoup ça, tu sais, de... Puis, tu sais, moi aussi, j'avais une amie qui m'avait dit, tu sais, tu peux pas priver le monde de ce que tu as donné. Ça rejoint un peu ce que tu disais. Puis, c'est fou comment, en même temps, il y a tellement... Moi, je côtoie des femmes à tous les jours qui s'éteignent, dans le fond, tu sais, puis qui pensent que... Elles ne méritent pas, qu'elles n'ont rien à apporter, elles n'ont rien d'intéressant à dire, puis tout ça, tu sais. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces filles-là? La confiance, ça se construit. Ouais. Ça se construit, puis de dire, OK, bien, si en ce moment, je sens que je ne m'honore pas, que je ne me vois pas, et si ça serait... Pour moi, il y a un livre qui s'appelle « L'obstacle et le chemin ».
Je l'ai jamais lu, mais le titre m'a fait sourire, puis j'en parle souvent. Fait qu'un jour, j'aurais dû m'offrir une lecture. Mais l'obstacle est le chemin. Et si, en ce moment, tu manques de confiance en toi, que tu dis « OK, non, je me sens éteinte », et si, justement, le succès de ton entreprise et ce que tu allais créer va dépendre de comment tu vas te sortir de cette situation-là. Ouais. Et si, justement, ce que tu n'aimes pas, ce que tu trouves difficile en ce moment, est exactement ce dont tu es appelé à vivre, à expérimenter, pour passer à cette renaissance-là, comme ton cahier renaissance, en passant, petit clin d'œil, télécharge-le, je l'ai adoré, mais de pouvoir dire, OK, est-ce que c'est exactement la nuit avant l'aube? Et là, je m'excuse, mon chat mange les croquettes, c'est le moment. ça l'ouvre l'appétit, ça l'ouvre l'appétit, tout ça. OK, tant mieux, vous ne l'entendez pas. J'ai dit, mon Dieu, je vais kicker tranquillement, tu sais, du coin de la patte, les joies du live. Non, je vais honorer mon chat, promis, je vais la laisser se nourrir. Mais bref, qu'est-ce que je disais avec tout ça? Là, je me suis évanouie dans un contexte. On t'est rendu où? Tu parlais de l'obstacle et le chemin. Ah, puis de ce que tu vis en ce moment, c'était exactement ce que tu avais besoin de vivre, dans le fond, justement pour être capable de créer après. Puis ça me parle tellement parce que c'est tellement ça. Je veux dire, moi, à chaque fois, tu sais, à chaque année, je suis comme, oh my God, je suis tellement sur mon X, tu sais. Puis là, il arrive tout le temps quelque chose. Puis l'année d'après, je suis comme, attends, je peux pas croire que l'année passée, je pensais que j'étais sur mon X parce que c'est là que je suis sur mon X, tu sais. Fait qu'il y a comme tout le temps cette espèce de step-là, tu sais. Oui, puis là, à ce moment-là précis, l'importance d'avoir une coach. Moi, c'est ce qui... tu sais, j'ai fait un bout tout seul. J'ai fait 2 ans toute seule. Mais d'avoir une coach, ça va faire en sorte que quand tu vas vivre ces moments-là, que tu vas manquer de perspective, tu vas te remettre en question, il va y avoir quelqu'un, moi je l'appelle comme la gardienne de mes valeurs, la gardienne de ma mission qui va dire « Hey, by the way, tu me dis ça ». Puis même dans mon entreprise, avec les gens que avant que j'aille engager, même, puis ça, vous pouvez le faire, puis j'invite vraiment les femmes à le faire, dans votre communauté, choisissez-vous 2-3 anges gardiennes. Puis moi, dès le départ, je dis à mes amis, écoute, veux-tu que je t'offre la possibilité d'être mon ange gardienne et que je t'appelle quand que ça file pas ou que je vois pas le bout ou que je trouve ça difficile ou que je me remets en question. Et ces anges gardiennes-là, écoute, ils étaient tellement fiers. Encore aujourd'hui, là, ils me disent, j'étais là dès le début, Charlène, puis je disais, oui, t'es là depuis le début. Puis de pouvoir aller justement, encore là, honorer ses clientes, puis leur dire, écoute, t'as une place importante, ton avis est important pour moi. Est-ce que tu veux faire partie de ce petit comité-là invisible et magique à l'intérieur de nous pour qu'on puisse ensemble grandir? Et ça, c'est au début, mais vraiment, dès qu'on dégage des ressources financières, faites-vous la grâce de vous faire accompagner. Ça va accélérer les ondes longues d'ombre de doute où est-ce qu'on fait juste du surplace, puis que ça mine notre confiance. Plus le temps avance dans cette zone-là, plus on recule, plus on s'abaisse, plus c'est dur à ressortir. Ouais. Ah, totalement. C'est tellement vrai. Pour bâtir une communauté, là, tu sais, moi, je parle beaucoup de connecter avec les gens, puis tu sais, ça se fait en partageant ses valeurs, justement en partageant sa mission, sa vision. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens ont comme adhéré? Parce que là aussi, en ce moment, tu as le sommet, puis il y a beaucoup de monde. Shitload! Écoute, ça, c'est une autre affaire. OK. Le sommet. Bon, là, c'est sûr que moi, j'ai mon programme, puis on parlera de comment j'ai créé cette communauté-là, puis que les filles ont vraiment joué mon programme sereine. Mais en parallèle à ça, moi, en mois de septembre, je me suis dit, j'ai vu une fille dans le Femme de tête, un groupe qui a déposé, Cécile, a dit, je veux créer un sommet. Puis moi, j'avais la vision d'un sommet. Puis j'étais comme, bingo, je l'appelle. Je l'appelle, je suis comme, salut, on se rencontre, on se book un rendez-vous entre les deux vagues de pandémie, on s'assoit, on se parle en face à face. Elle dit, je veux créer un sommet spirituel. Je fais, parfait, I'm your man. Pour vrai, je vais avec toi, là. Puis elle était comme plus dans l'intuition de, j'ai mon idée, je suis créative. Moi, j'étais le taureau en arrière, je suis comme, t'es-tu prête? Parce qu'on y va, je te jure, plan d'action, on part, là, puis je suis partie le train parce que je sais que j'ai cette énergie-là, puis qu'on a pu canaliser son intuition, puis de faire, OK, ben je suis peut-être les bras, la force, tandis qu'elle est plus la fluidité dans le mouvement. Donc, d'avoir un partenariat comme ça, puis d'oser demander. Puis honnêtement, les gens, souvent, on a comme peur, on se sent tellement out. Il y a un groupe Facebook qu'on se sent out, comme le rejet à l'intérieur de nous, mais comme, mais non, on est tous ensemble, puis va oser parler aux gens. C'est vraiment comme une garderie. Puis on va te faire des nouveaux amis. Là. S'il te plaît, sors ta zone de confort, puis va offrir ta présence. Puis moi, je l'ai faite, puis ça a fonctionné. Puis elle a dit comme, mais oui, je veux ça, je suis parfait. On a choisi ensemble de co-créer un sommet, justement pour le mois de janvier. Fait qu'on a pataugé là-dedans doucement de septembre à décembre. On est allé recueillir vraiment là, 20 leaders qui nous inspirent. On l'a lancé dans la première semaine de janvier. Là, le feu a pogné, OK?
Ça rentrait à coups de pelletée. Là, on s'est regardé, on est comme, on n'a pas prévu ça. Écoute, là, tout fucké. Là, j'avais pas le MailChimp payant, moi, là. Fait qu'on a boosté le 2000 personnes. Puis on est comme, oh, mon Dieu, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On a trop de monde. Oh, je peux plus avoir mes courriels. Écoute, on s'est reviré. On l'a repitché sur Kajabi parce qu'elle avait un compte payant pour pouvoir envoyer plus de contacts. On a essayé de gérer tout. Là, hey, j'avais jamais créé des règlements de groupe Facebook, moi, là. Mais là, il fallait parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient. J'ai comme, oh, mon Dieu, plus des modérateurs, plus toute la structure en place. Et ça fait une semaine. On commence la deuxième semaine. Et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui a fait que ça a réussi? Parce que là, on arrive à quoi? 6 000, 7 000 personnes, puis on est juste à la sixième conférencière, deuxième semaine, puis on a 20 conférencières. Fait qu'on en a jusqu'à mi-février, là. Et on s'est dit, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Et honnêtement, je pense qu'il y a eu de la magie, OK? Je vous explique. Pour les plus terre-à-terre, je reviens, je reste une scientifique, je reviens. Il y a eu de la magie. C'est comme si on a osé voir grand, on l'a pitché, puis on a avancé vers ça. Puis honnêtement, on n'avait pas tant d'attentes de personnes. Puis clairement, on avait sous-estimé la force. Mais une des clés, c'est qu'on est 20 leaders. Donc 20 leaders avec une communauté. Ils n'ont pas toutes 20 000 personnes de communauté. Là, il y en a qui avaient 1500 abonnés. Mais vraiment, la force du nombre. Et aussi, une chose, c'est qu'on ne voulait pas faire un sommet comme les autres dans lequel la leader arrive, puis je fais ma conférence, je vous pitche mes liens, puis basta, je m'en vais. T'sais. Non, on voulait vraiment créer au centre du sommet une sororité entre les leaders. Donc, pour nous, c'est important de dire on est des sœurs avant d'être des leaders, puis c'est ce qu'on veut incarner comme message. Donc, derrière les rideaux du sommet, il y a eu beaucoup d'amour. Il y a eu des zooms, il y a eu des connexions avec plein de femmes à travers la Terre qui sont nos 20 leaders en francophonie mondiale. Et cette connexion-là ensemble, je pense qu'il a fait que les gens le sentaient qu'il y avait cette excitation-là. Et encore là, quand on a fait les Facebook de bienvenue, moi, je suis super transparente. J'ai ouvert mon Zoom, puis j'ai commencé avec eux en direct, le Facebook Live direct qui est diffusé par Zoom. Je me suis dit, tabouin, qu'est-ce que vous faites là? Comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout le monde riait, mon accent québécois, ils trouvaient ça drôle. Puis je pense que c'est cette simplicité-là, c'est comme si le cadre rigide, là, ça fait tellement 2019, là, laisse ça tomber à l'eau. On est, depuis la pandémie, en pyjama, on voit notre chum passer en boxeur en arrière. C'est ça, la vie. Puis le fait de le dédramatiser, de le simplifier, puis d'être super transparente, puis de dire, my God, il y a bien du monde, qu'est-ce que vous faites ici? Tu sais, qu'est-ce qu'il est venu chercher? Puis les gens référaient en plus. Donc, il y a eu plein de clés, mais d'après moi, c'est le fait qu'on soit 20 leaders, ça, c'est sûr. Le deuxième, c'est que derrière les rideaux, on est ici. Serré. Puis troisièmement, c'est que dans notre simplicité, notre partage, dans notre générosité, ça a fait en sorte que ça... Puis c'était aussi au niveau de la magie, le synchronisme, que confinement, couvre-feu, tout le monde dans le monde entier se sent confiné, isolé, on soif de connecter. Il y a eu beaucoup d'éveils spirituels, de faire comme « My God, ma vie, c'est quoi si j'ai pas de job? » Et là, tant mieux, on a créé justement un sommet pour aller se ressourcer. Fait que ça a comme été un mélange d'ingrédients qui a créé ce beau gâteau-là. Mais j'aime ça parce que c'est vraiment dans l'esprit que moi je vois les choses, c'est-à-dire de faire, je dis toujours de faire se rencontrer l'humain puis la stratégie, c'est-à-dire que ça prend une certaine structure, ça prend une certaine stratégie si tu veux atteindre des résultats, mais ça prend un équilibre parce que si tu es trop dans la stratégie puis là tu te serais dit là, faut aller chercher 2000 personnes puis il faut, tu sais, ça vient comme, je sais pas comment l'expliquer, comme briser l'espèce de connexion, tu sais. Puis justement, c'est de ramener ça à la simplicité, tu sais, arrêter de chercher comme la stratégie à la mode, puis nanana. Allez-y avec, tu sais, la première question, c'est vos forces. Tu sais, si toi, c'est plus facile de décrire, ben ça va toujours être plus efficace que tu écrives, que tu fasses de la vidéo, parce que la vidéo, c'est la stratégie de l'heure, tu sais. Fait que c'est ça, puis, tu sais, comme tu as dit aussi, vous avez vraiment réuni vos forces pour accomplir ça. Si on revient à ta communauté, à toi, qu'est-ce que tu penses qui fait que les gens accrochent? Moi, c'est ce que j'appelle l'expérience royale. J'ai vraiment, moi et mon adjointe, on s'est assis, puis on a vu toutes les étapes dans laquelle une nouvelle cliente qui me pogne par hasard dans une capsule chronique à la radio, par exemple, parce que je fais un petit peu de radio... avec ça, ou dans mes Facebook Live, ou dans mes stories, on voulait s'assurer qu'on aille saupoudrer avec, moi j'appelle ma fille, là, parce que mon jeune virtuelle est merveilleuse, c'est une amie, elle a vraiment été, on allait voir comment qu'on pouvait saupoudrer d'expérience royale de A à Z, et de toutes les étapes,
que ça soit simple, que ça soit intuitif la navigation et que ça soit personnalisé. Donc, il y a plein de petits coucous comme des messages vocaux qu'on va faire, des mots bienvenus, un visuel pour les nouvelles reines qui gênent le groupe. Et là, elle arrive, puis on a préparé des visuels. Elle a sa face dans le groupe privé. Mmh. Comme, voyons, c'est pas que c'est ça. Il y a une description. Il y a elle qui, il y a mon adjointe qui l'appelle puis qui dit, hey, bienvenue, si t'as des questions, moi, je suis là. La navigation sur notre site web, elle est légère, elle est simple, elle est épurée, c'est facile. Donc, ce souci-là, parce que pour moi, c'est comme faire une retraite en vrai. Quand je fais des vraies retraites, je veux m'assurer que quand les filles, même avec Mylène, une de tes clientes là, que tu connais bien, qui organise des mariages puis des événements à l'international, on te dit, OK, là, même avant que les filles partent de leur maison vers l'aéroport à Montréal, on veut déjà qu'il y ait un guide là. On veut que les filles soient toutes assises ensemble dans l'avion puis on va toutes leur donner un collier de fleurs. Mmh. Arrivé à l'aéroport, il y a un autobus où est-ce que tout le monde va être rassemblé ensemble et on va l'amener sur le site puis le piña colada party va partir. Puis ça a l'air anodin, mais le nombre de retraites que tu t'en vas, t'es tout seul dans l'avion pour que tu trouves ton monde jusqu'à arriver là-bas, c'est stressant maudit, puis c'est un méchant frein, là. Ouais. Donc, de revoir, de se replonger à la place de son cliente par amour pour lui, puis vraiment lui le dorloter. Ouais. Je veux, moi, qu'il soit flabbergasté, qu'il soit comme, mais voyons donc tout ça, de A à Z. Ça, pour moi, ça fait en sorte que non seulement j'ai un taux de fidélité qui est extraordinaire, mais un taux de référencement qui est magique encore. Ouais. Mais c'est ça, moi, c'est ce que j'appelle l'effet « wow » partout. Puis, tu sais, nous, tu sais, comme, tu sais, exemple, dans le cerveau, Annick va faire des séances d'orientation, il y a des courriels aussi, il y a des cadeaux, il y a comme plein d'affaires, justement, pour, comme, faire « wow », puis ça a effectivement un effet sur le taux de fidélisation puis de référence après, tu sais. Est-ce que des fois, tu te censures? Oh mon Dieu, sur tes réseaux sociaux? Ou est-ce que t'es vraiment... T'as l'impression que t'es vraiment 100% toi? C'est une très bonne question. En fait, moi, je me pose... Ma question, quand que je vais sur les médias sociaux, premièrement, c'est toujours professionnel. C'est vraiment rare que je sois là personnelle. Tu sais, ma page à moi, Profil Charlène, là, c'est si tu scroll down, tu vas voir toutes les fêtes de mes amis que j'écris des gros messages d'amour et des photos de moi et mon frère que je vous souhaite bonne fête. Fait que c'est vraiment que pour ça. Honnêtement, j'ai pas tant de moi de page pour moi. Mais... Ça, cela dit, quand j'arrive, ça veut dire que c'est professionnel. Et mon guide à moi, c'est est-ce que ça sert Kiara? Kiara, c'est mon avatar, c'est mon personnage. Puis est-ce que ça sert Kiara? Est-ce que ce que je m'en vais dire, est-ce que mon opinion sur hashtag MeToo est importante pour elle? Et moi, j'ai jugé que non. Fait que non, j'ai pas parlé de ça parce que je sentais pas que ça allait lui apporter. Ouais. Et ça, c'est vraiment dans une conscience de servir. Quand je suis sur mes médias sociaux, je sers. Et est-ce que ce que je suis en train de dire va servir ma clientèle, mes amis? Si oui, vas-y. Donc, c'est peut-être de la censure intelligente que je dirais. Ça serait pour moi d'aller d'être intentionnelle dans ces médias sociaux. Et sinon, de la censure de ce qui est moi encore là, quand c'est des choses que je découvre sur moi, si je sens que ça peut servir, je shoot out. Vas-y, je sors, puis les filles peuvent pouvoir... peut-être pas dans mes stories Instagram, parce qu'il y a beaucoup de monde qui les regarde, mais dans mon groupe privé, des choses comme ça, je me laisse vraiment être très transparente, puis moi-même, oui. OK. Une dernière question en terminant. As-tu des exemples de comment tu communiques ta mission, tes valeurs sur tes réseaux sociaux? Mon Dieu, des exemples de comment je communique ma mission, mes valeurs. Ben, par exemple, on a une des valeurs pour nous, c'est la beauté. Parce qu'on veut vraiment, tu sais, avec le programme des reines, c'est vraiment de réveiller une reine intérieure, de révéler son potentiel en faisant du yoga, en prenant soin d'elle. On a une équipe de nutritionnistes, d'entraîneurs, avec des sexologues qui viennent en intervenante. On veut vraiment prendre la femme, puis la faire voir d'autres reines qui s'honorent pour qu'elle puisse découvrir que, wow, j'ai une divinité, puis... Et je peux m'offrir des offrandes. Donc, quand je me nourris, quand je me maquille, je m'en mets des bijoux, c'est des offrandes à mon corps. Donc, de reconnecter avec toute la beauté de ce qu'elle, parfois, pensait que c'était laid. Mais finalement, nous, on est comme, mais non, regarde comment c'est beau, ma chérie, puis on le développe. On est comme, waouh! Fait que vraiment, la beauté, c'est une de nos valeurs. Et comment qu'on la représente sur nos médias sociaux? Ben, c'est sûr qu'il y aura, tout ce qui va être publié va être le souci d'être dans un visuel qui vibre aussi fort les valeurs que ce qu'on est en train d'écrire dans le texte. Donc, moi, je suis une personne qui est très physique, visuelle, et même chose pour ma majorité de ma clientèle, on est visuel, donc ton texte, je vais le lire en diagonale, mais si tu mets des émoticons, puis si tu mets un visuel qui est parlant, là, je vais te suivre, puis je vais pouvoir aller saisir un peu la profondeur de ton message. Donc ça serait comme un exemple. Sinon, dans notre aspect de communauté puis de bienveillance, peu importe quand que je vais partager des faits sur les médias sociaux, il y a toujours cet angle-là que je prends
qui est peut-être moins populaire, qui est l'angle de la bienveillance. J'apporte des nuances parce que pour moi, c'est quand même important de pas me censurer sur ce que je veux vraiment dire ou ce que je pense vraiment. Donc, je vais le dire, même si c'est à contre-courant peut-être d'un mouvement social actuel, je vais le dire, mais du point de vue de l'élégance, de la bienveillance, par exemple, apporter tout l'amour de ce point de vue-là. Puis justement, dans un contexte, moi, c'est drôle que tu dises autocensure parce que ça a été une grande discussion avec mon conjoint et moi, je me sens enflammée, là. L'autocensure puis politiquement correct, genre, pour moi, c'est tuer l'évolution, là. Genre, je capote. Et là, je me suis dit, comment je peux faire, moi, pour porter un message qui va parfois être à l'encontre, quitte à perdre des abonnés, c'est faux. Mais honnêtement, j'en perds pas parce que justement, j'apporte les gens à dire, si t'es pas d'accord avec moi, dans toute la bienveillance, de toute façon, il n'y a comme aucune agressivité dans mon ton de voix, jamais, quand je parle, donc j'en ai jamais en retour. Là. Mais dans toute la bienveillance, j'ouvre des portes, je pose des questions, et si tu n'es pas d'accord avec moi, ton opinion est importante pour moi, viens me déposer avec autant de bienveillance pour qu'on puisse grandir ensemble. Puis en fait, c'est un offrande que tu me fais. C'est un cadeau que tu me fais de te partager ton opinion, tes idées, parce que c'est comme ça qu'on peut argumenter, c'est comme ça qu'on bâtit la philosophie qui est l'étude de la sagesse. Et pour moi, ben, c'est un début ultime de grandir dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la conscience, dans l'amour. Pourquoi qu'on se priverait de ça? C'est intéressant, tu dis, en fait, je ne sais plus ce que tu as dit, mais tu sais, on récolte ce que l'on sème. Mm-hmm. C'est comme, tu sais, je sème de la bienveillance, je vais recevoir la bienveillance de ma communauté, tu sais, mais je pense que c'est vrai pour absolument tout. Tu sais, mm-hmm. Si tu veux, tu sais, des fois, je dis un peu, tu sais, si tu veux que les gens ils interagissent avec toi, mais tu sais, est-ce que toi, tu leur offres la possibilité d'interagir? Est-ce que toi, tu interagis avec les autres sur les réseaux sociaux, tu sais? Mm. Finalement, j'ai une dernière question. J'aime ça. C'est super intéressant. Tu sais, on te voit toujours hyper souriante et tout ça. Je peux imaginer que t'es pas toujours comme dans une énergie optimale pour être présente sur tes réseaux. Est-ce que quand t'es pas dans une bonne énergie, est-ce que tu t'empêches d'être présente ou est-ce que t'as des trucs pour switcher ton énergie pour être présente puis avoir cette constance-là de ce qu'on peut percevoir de toi? C'est une très bonne question. Et la réponse est la création de mon programme, en fait. Parce que c'est vraiment une bonne question ce que tu as posé, parce que être à son plein potentiel, être dans sa lumière, avoir une certaine vibration pour faire des coming out, moi j'appelle ça être sur mon balcon. Là. Quand je vois sur mon balcon, c'est quand j'ai mon chum, sur mon balcon, c'est que la caméra, ah ouais, let's go, je sors. Et quand je sors, j'ai des moments de sortie, puis j'ai des moments aussi d'entrée. Donc c'est le jour et la nuit. Je me promène entre les deux et c'est le cycle de chacune de mes journées. Mais quand je sais, comme cette semaine, là c'est gros. Là. J'ai beaucoup d'entrevues, j'ai ma conférence du sommet, j'ai aussi à l'interne des ateliers, des formations. Donc il y a beaucoup de coming out. C'est ma grande semaine de balcon, OK? Et quand ça arrive, là, c'est très intentionnel encore là. Je me suis préparée une fin de semaine qui a été vraiment dans le ressourcement. Et j'ai des rituels de vie qui me permettent d'entretenir mon énergie et avec des cycles dans ma journée. Par exemple, je ne suis pas toujours sur les médias sociaux. J'ai vraiment un cycle de travail sur les médias sociaux et après un cycle de travail à l'interne dans mon entreprise. Et ça me fait en sorte que j'ai créé une structure dans mon agenda. Je pourrais faire un partage d'écran maintenant, vous allez voir mon agenda. C'est d'une organisation légère, mais tellement, tellement sécurisante et protectrice de mon énergie. Ça veut dire que j'ai des moments avec mon chum, je me lève chaque matin pour faire ma lecture, me connecter à moi. On fait du yoga chaque matin, les filles, de 6h30 à 7h dans le programme Réveil de Reine. J'ai du développement personnel à chaque jour. J'ai des moments pour, durant ma semaine, aller faire mes commissions, cuisiner, l'épicerie. J'ai toujours la nourriture qui est bonne pour moi dans mon agenda et dans mon frigo. J'ai mes moments clés d'entraînement avec notre coach dans l'équipe. Ça fait en sorte que j'ai créé une structure qui me permet de pouvoir justement vaquer à mes occupations et lorsque je vais hors de mon balcon, exemple, c'est mon coming out. Donc, c'est vraiment en arrière-scène d'avoir l'intelligence, la sagesse, mais aussi d'incarner cette reine-là qui règne de son royaume, parce que souvent, je vois vraiment juste des princesses qui courent partout, qui sont fatiguées, qui font plein de choses, sont toujours dans le jus, mais ils font rien. Fait que ça, c'est comme, wow, oh, s'il te plaît, tu peux-tu maîtriser ton agenda, tu peux-tu te créer une structure, d'aller voir c'est quoi tes grands blocs de priorité et agir en conséquence. C'est ce que moi, j'ai vu qui manquait le plus chez les femmes que j'accompagne, parce que c'est des femmes avec du potentiel extraordinaire. C'est des femmes qui sont souvent entrepreneurs ou avocates ou infirmières, ou il y en a qui vont devenir médecins. Il y a vraiment un calibre chez les reines qui demandent de faire des grands coming out de balcon. Et c'est pour elles que je travaille, pour créer une structure en arrière-scène qui les protège. Parce que quand on est des femmes de feu, on peut se brûler.
d'avoir une structure qui est apaisante, équilibrante et de redevenir souveraine de son temps, de son énergie en connectant avec une structure qui est sécurisante et qui nous canalise dans justement cette joie-là qui peut ressortir après sur les médias sociaux. Totalement, totalement. C'est drôle, hein? Vraiment le même genre, à quelques trucs près, mais tu sais, le même profil de femme, c'est-à-dire, tu sais, qui est très créative dans le flow puis tout ça, mais que c'est ce que je dis souvent, tu sais, la structure, c'est pas pour venir t'emprisonner, c'est pas pour venir tuer ta créativité, au contraire, c'est pour venir justement canaliser, c'est le mot que tu as dit tantôt, puis je pense que c'est ça, c'est pour venir justement canaliser cette énergie-là, cette créativité-là, puis tout ça, mais te donner les moyens aussi de, ben un peu comme tu dis, de prendre soin de toi, puis de prendre soin de ta tête, de ton corps, de tout ce qui va avoir un impact sur ton énergie après, puis pour être capable d'avancer dans les projets, tu sais. Puis pour être capable de développer sa confiance, puis de développer autant sa relation à l'argent, sa relation au temps, comme tu dis, tu sais, il y en a combien qui sont tout le temps dans le jus, mais dans le fond, ils accomplissent pas grand-chose, là, tu sais. Fait que, ouais. Hey, c'est super intéressant. Merci, on a pas dépassé, mais c'est pas grave. si jamais vous avez envie de suivre Charlène, dans le fond, puis de la découvrir plus, ben en fait, je t'inviterais à venir mettre dans les commentaires le lien, les liens que tu juges pertinents, là, soit vers le mouvement épanouissement, soit peut-être le sommet aussi. Ben oui, ben oui. Donc, les gens pourront te suivre par là. Merci beaucoup, beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Je vous dis à tous à la prochaine. Bye, merci.